Hello les girls, salut tout le monde. Donc c'est Danichou, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo que j'avais prévue, dont je vous avais parlé. Je suis donc allée à Action et je voulais donc vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'avais besoin de certains trucs et d'autres trucs pas du tout, mais je suis tombée dessus et ça faisait un moment que je cherchais. Voilà, donc j'ai mon ticket de caisse et je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que j'ai pu trouver là-bas. Donc, tout d'abord, j'ai trouvé ceci, qui est une serviette à cheveux, en fait, en microfibre. Donc, j'en avais une seule. Et puis, j'en ai acheté une deuxième, parce qu'une seule, ben, au final, ça fait pas beaucoup. Voilà, donc c'est super pratique. Ça se présente comme ça. Voilà, donc on met hop sur la tête comme ça, on tourne et ici il y a un petit crochet, voilà, et on accroche avec le nœud comme sur le modèle là. Donc ça en microfibre et ça marche super bien. Donc c'est super pratique et j'ai donc payé ça 95 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé. Donc ça, je le cherchais quand même depuis Noël. Ce jeu, voilà, je ne sais pas s'il y en a qui regardent Arthur Vendredi, tout est permis. C'est un petit peu, c'est le jeu où c'est qu'on met les trucs dans la bouche et il faut essayer d'articuler. Donc je pense que ça va être super marrant. Il faut que je le teste avec les enfants. Je l'ai payé 4,95 €. Donc, ma foi, il n'y a pas de quoi s'en priver. Ensuite, il fallait des cahiers pour mon fils que j'ai payé 79 centimes. Donc c'est le cahier tout simple, hein. Grand format, grand carreau, 96 pages, voilà, sans spirale. Donc il n'y en a pas les trois, j'en ai pris un violet, un vert et un bleu, et voilà. J'ai repris aussi donc des Cerflex parce que j'en avais plus, donc j'ai payé 99 centimes, il y en a 100, donc ça devrait me faire un petit moment. Ensuite, j'ai trouvé donc un aérosol de peinture blanche, noire, pardon. J'ai hésité entre le noir et le blanc, c'est pour ça, parce qu'en fait, j'ai une vieille étagère là-bas où c'est que je range mes jeux de société, et puis je la trouve très moche, donc c'était le moment de tenter un petit peu, voilà, les peintures aérosol d'Action. Donc je verrai bien, je l'ai pris noir, je l'ai payé 2,19 €, donc il n'y avait pas de quoi s'en priver. Et au pire, si c'est moche ou raté, je repeins en pinceau par-dessus, c'est pas un problème. Voilà, 2,19 € la bombe de peinture aérosol. Ensuite, j'ai pris donc du ruban adhésif, 75 centimes parce que je n'en avais plus. Voilà, et bah, faut bien que je fasse les cartons. D'ailleurs, en parlant de cartons, j'en ai trouvé 6. Donc, à 99 centimes l'unité, donc 5,94 € les 6 cartons. Ils sont super pratiques. On peut marquer dessus quelle pièce c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, c'est des cartons qui se présentent voilà, comme ça, blanc. Donc là, hop, j'en ai 6 et ils sont ici. Voilà. Après, j'ai pris ce petit plaid en polaire à 2 € puisque j'ai un bébé à envoyer. Donc, ceux-là sont très bien, ils sont très grands et en général, les mamans sont contentes d'avoir leur petite couverture avec le bébé. Ensuite, j'ai trouvé 3 paires de chaussettes pour mon fils. Donc les chaussettes, je les ai payées. Je vais vous dire ça. Eh bien, je ne les trouve pas. Les sockets Loto, voilà, 2,79 €. Il y en a 3 paires, c'est des Loto. Voilà, en taille 39-42, puisque c'est pour le grand. Donc 2,79 €, ça ne fait même pas 1 € la paire de Loto. Franchement, honnêtement, c'est pas cher du tout. Après, j'ai trouvé mes grands sacs poubelles. Donc, mes sacs poubelles, voilà. 1,99 €. Donc, il y en a 10 dedans et c'est des 120 litres.
Voilà, c'est un petit peu pour finir mon tri où j'ai pas mal de choses à jeter puisque j'en suis déjà à ma troisième poche poubelle. C'est ma mère qui me les avait dépannées. Je pensais que ça suffirait et en fait non. Donc j'en ai racheté 1,99€. C'était quasiment donné. J'ai repris ensuite des piles. 1,69€. Donc les piles alcalines. Il en faut tout le temps pour les manettes de jeu, pour leur jeu, leur voiture, leur machin, leur jouet. Enfin. Voilà, c'est hors de prix normalement. Il a 1,69€. J'ai sauté dessus. Aussi, après, j'ai pris un shampoing comme ceci. Donc, un shampoing pour bébé, 83 centimes. J'ai pris celui-ci parce que mon fils, en fait, n'aime pas quand le shampoing lui coule dans les yeux et que ça pique les yeux, logique. Donc, voilà, comme il est encore pas très, très adroit, on va dire, j'ai pris celui-ci. Shampoing pour bébé aloe vera, voilà. J'ai testé avec l'appli pour voir, alors ça s'appelle quelle cosmétique, voilà, et qui vous dit en fait si c'est dangereux pour la santé, s'il y a du paraben, pas de paraben, etc. Machin. Voilà, donc le petit shampoing. Après, j'ai pris. Alors, j'ai pris ça, voilà, donc c'est des forêts, puisque je vais devoir percer. Donc là, il y a plusieurs tailles de forêt. Il y en a 6 en tout. Je les ai payées 1,79€. C'est Werkman qui fait ça. Donc, ben, on verra. Alors, la question que je me posais, c'était, on dit un forêt ou une forêt? Le là, je ne sais pas trop. Donc, ben, je ne sais pas en fait. Voilà, j'espère que c'est cela, puisqu'il y a marqué forêt à pierre. Je n'ai pas trouvé béton, donc j'ai dit à pierre, c'est pareil. On verra si c'est pas ça, c'est pas grave, je retournerai. Ensuite, j'ai trouvé, donc j'ai pris cette litière, donc que je n'ai jamais essayé, mais c'est la même que j'ai en fait à Casino, mais elle est beaucoup moins chère. Je vous la cherche. Où c'est que j'ai mis? Voilà, Total Natura Granulée Litière, donc 3,99€, les 4,2 litres. Voilà, beaucoup moins cher qu'à Géant. Et puis voilà, il y a une petite odeur fraîcheur, je sais plus trop quoi. On essaiera pour voir. Et enfin, le clou du spectacle, c'est juste ça. Donc, c'est de l'huile pour ma voiture. Alors, j'ai pris un tout petit, j'ai pris un 1 litre. Parce que, bon, c'est pas le prix, hein, 3,99€, donc c'est pas très cher. Le seul problème, c'est que j'y connais que dalle. On m'a dit 5W40, donc c'est bien 5W40. Mais est-ce que c'est celui-là, un autre, machin et tout? C'est un peu comme un mec qu'on envoie chercher des Tampax. En fait, il sait pas lesquels. Et ben moi, c'est pareil avec l'huile de moteur. Je n'y connais strictement rien. Donc j'ai vraiment pris au pif. Voilà, c'était 3,99€ le bidon. Si c'est pas ça, je retournerai avec mon ticket de caisse. Donc voilà, pour Action, c'est terminé. Je suis ensuite passée chez Noz pour voir ce qu'il y avait un petit peu et j'ai trouvé pas mal de choses qui me manquaient. Donc déjà, pour commencer, j'ai trouvé cette petite étagère en carton. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Tissu carton que j'ai payé 1,49€. Donc vraiment, il me l'a fallait parce que ça va manquer cruellement là-bas d'étagères et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, c'est les housses de vêtements. J'appelle ça housses de vêtements. J'en ai trouvé trois. Vous savez, ces espèces de sacs en fait où on met les vêtements, les couvertures, les serviettes, etc. Et après, on aspire avec l'aspirateur. Et bah, du coup, on gagne une place folle. Voilà, pour les déménagements, j'en ai pris 3, donc à 1,99€, c'est pareil. Je les ai cherchés partout et en fait, je les ai trouvés à Action. J'ai pris cette petite boule de bain, 50 centimes pour Nino, parce qu'il râle tout le temps, parce que c'est Luc en général qui prend son bain, donc il n'a jamais les boules. Donc là, clairement, ce sera pour lui. Ça sent super bon. Ça sent super bon la framboise, la fraise, ou je sais pas pourquoi, enfin les fruits rouges. Voilà. Ah,
50 centimes. Et j'ai trouvé aussi cette paire de sockets. Donc voilà, comme ça, avec le petit nœud derrière au niveau de la cheville. Donc il y a marqué taille unique. Il faut qu'on m'explique quand même le concept de la taille unique. Parce que moi qui fais du 35 et genre ma pote, si elle fait du 42, on serait censé mettre les mêmes chaussettes. Ça reste une énigme pour moi. Donc si quelqu'un pourrait m'expliquer le principe de la taille unique, je vous écoute. Et ensuite, chose très importante que je cherchais, parce que je suis en galère en fait. Vous savez que je déménage, mais le problème c'est que j'ai deux chats. Et que du coup, il va falloir les emmener. Donc j'avais une caisse. Mais elle est un peu petite et puis il faut que mon père ou quelqu'un me traficote quelque chose pour mettre devant parce que j'ai pas le devant en fait de la caisse. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais j'ai trouvé ce petit sac de transport pour petits animaux. Voilà, que j'ai payé 11,99€. Donc c'est pareil, hein, c'est pas donné mais c'est vraiment pas cher. Pour ce que c'est, parce que c'est vraiment un truc dont on a besoin. Et voilà, il y a un petit coussin comme ça, rigide à l'intérieur, qu'on pose au fond. Donc je pense que ce sera plus pour Georgette, la plus petite, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très très grand. Mais ça ira, pour voyager. Hein. Voilà, ça irait de partout, donc c'est très bien. Elle rentrera, à mon avis, là-dedans largement. Voilà, donc c'est fini pour les achats d'aujourd'hui. Je voulais vous faire donc partager tout ça. Il y avait pas mal de choses dont j'étais contente, dont je suis contente parce que je cherchais et j'en avais réellement besoin. Alors que normalement, les trois quarts du temps, quand je vais à Action et à Noz, je n'ai besoin de rien et je ressors avec 4 sacs blindés quoi, donc voilà, assez contente de moi. Voilà les abonnés, donc n'hésitez pas à me dire si cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous parce que moi j'ai encore pas mal de choses à faire et je dois finir tout ça. À bientôt, à ciao, bisous les abonnés, n'oubliez pas de liker.